Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Une vidéo aujourd'hui de formation, c'est une demande d'un coach qui a besoin d'un dispositif pour s'échauffer, bien sûr, travailler individuellement sur les fondamentaux offensifs et défensifs de ses joueurs. Et du coup, j'ai voulu vous partager cette vidéo. Elle est à Clermont-Ferrand, là je suis à Strasbourg. Nous commençons notre collaboration par cette vidéo-là qui va lui permettre de mettre en place un dispositif. Et elle aura d'un autre côté le contenu de ce dispositif que je ferai en live du terrain. Je la suis dans ses besoins au quotidien, dans ses exercices, dans son coaching. Le dispositif, c'est sur toute la longueur, travailler à ton échauffement défensif. Alors, je ne sais pas ton gymnase comment il est, mais si tu as ici hors terrain, si tu as 2 mètres ou 3 mètres, c'est jouable. Tu peux faire des zigzag drills pour travailler les jeux de jambes défensifs. Tu peux faire des courses arrière. Tu peux faire tous les jeux de jambes défensifs qu'on va avoir besoin sur le terrain, y compris sur porteur, sur non-porteur, peu importe. Ensuite, le dispositif, c'est ici un cône. Un cône de 20-25 cm. Et ici, à 3 points. Dans le coude, tu mets à 45 et à 45 sur les deux paniers. Un cône et 2 cônes. Ouais, c'est mieux. Je suis là. Voilà, 2 cônes. Un cône en bas, 2 ici. Ton joueur dans le dispositif, il part ici, il fait son zigzag drive, ses fondamentaux défensifs jusqu'au bout ici. Ensuite, il prend un ballon, il se met ligne de fond. Le cône lui permet de toucher le cône, savoir qu'il est à la bonne hauteur. Il travaille par exemple sur du dribble fort, ici ligne de fond. Il rentre ici sur le terrain dans le 1 contre 1. Donc là c'est pour être à la bonne hauteur. Et ici c'est pour simuler les pieds du défenseur à 45 dans le coude, etc. Donc je t'expliquerai le contenu, mais il dribble ici. Il dribble et là ils vont dans le tir. S'ils partent, ils doivent partir. Donc il fait son parcours de défense. Il fait le travail à droite ou à gauche, et il fait le travail de l'autre côté. Ensuite, il revient ici, il refait sa défense en haut, et ici, pareil, à droite, à gauche. Je passe une fois en défense tout terrain, une fois je passe à droite, une fois je passe à gauche, défense, ta-ta-ta-ta-ta. Donc le parcours est infini, et tu fais 5 tirs marqués ou 10 tirs marqués avant de changer les consignes. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo une partie du contenu que je vais donner à cette coach pour qu'elle puisse évidemment fonctionner avec cet exercice.